Hello, j'espère que tout se passe bien pour vous. Comme promis sur ma dernière vidéo, je viens donc partager avec vous ma lotion anti-chute avec l'hydrolat de Baie Saint-Thomas et goyave. Et bien entendu, je vais vous mettre le lien de la préparation de mon hydrolat aux feuilles de Baie Saint-Thomas et de goyave. C'est parti pour la préparation. Donc, on va recueillir 180 ml d'hydrolat de Baie Saint-Thomas et puis 80 ml d'eau de source. À la place de l'hydrolat de Baie Saint-Thomas, vous pouvez choisir les feuilles que vous voulez. Elles peuvent être sèches ou alors fraîches pour préparer votre hydrolat. Il n'y a pas de souci. On va terminer notre challenge en préservant nos longueurs avec cette lotion anti-chute à laquelle je vais rajouter 2 ml d'huile essentielle de menthe poivrée qui est excellente pour stimuler la circulation sanguine et 3,5 ml d'huile essentielle de pamplemousse qui lutte également contre la chute des cheveux. On mélange bien ces deux huiles essentielles. Et maintenant, place à la provitamine B5 qui fortifie et hydrate le cheveu. Je vais mettre 5 ml. On mélange bien le tout. Pour facilement disperser mes huiles essentielles dans ma préparation, je vais venir ajouter 25 ml d'huile de ricin sulfatée. Si vous ne l'avez pas, vous mettez un autre dispersant. C'est l'équivalent de 2 cuillères à soupe et demi. Alors l'huile de ricin sulfatée, à ne pas confondre avec l'huile de ricin pure, celle-ci c'est un tensioactif qui va donc venir, comme vous pouvez le constater, disperser les huiles essentielles dans ma préparation. Étant donné que je suis sur une préparation de 300 ml, je vais donc venir rajouter pour couronner le tout 60 gouttes de conservateur Cosgar à ma lotion tonique anti-chute. Et puis je mélange. Donc cette lotion tonique anti-chute aux feuilles de Baie Saint-Thomas et de goyave est à appliquer sur le cuir chevelu le soir avant d'aller au lit vu qu'il y a des huiles photosensibilisantes. Comme l'huile essentielle de pamplemousse et de menthe poivrée, c'est mieux de l'appliquer le soir en massage du cuir chevelu. Maintenant, je vais transvaser tout ça dans son flacon qui a été au préalable rincé à de l'alcool. Donc voilà pour préserver nos longueurs et stimuler la pousse des cheveux. Et cette lotion tonique anti-chute sera donc notre allié numéro 1 pour dire stop à la casse. Je vais apposer mon étiquette. Comme toujours, je n'oublie pas. Donc voilà pour le partage de ce jour. Je vous fais de gros bisous. Je remercie toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Et puis je vous dis à très vite. Bisous.